Hey, salut YouTube, ça y est, me revoilà. Bon bah alors, je crois que là on va changer la batterie. Ah, j'ai fait un peu le con quoi, je l'ai laissé tout l'hiver avec la batterie et puis voilà, au lieu de l'enlever et puis la laisser à la maison, bah voilà, plus de batterie. on va changer la batterie. Voilà, on a rechargé une batterie et puis on va la remettre dessus pour pouvoir la prendre cette semaine. Ça serait cool de la prendre pour aller au boulot, ils annoncent un petit peu de soleil, un peu de chaleur. On va en profiter de la moto. Allez, c'est parti, on va changer la batterie, mon pote. Bon, allez, c'est parti, on démonte tout ça. Bon, alors, on va déjà enlever la selle, mon pote. Voilà, t'as deux petites vis là. Après, c'est une MT-07. Tu dois être au courant. Allez, c'est parti, on dévisse. Alors, je te dis, avec un casque sur la tête, c'est super, quoi. Mais au moins, voilà, c'est cool, on va pouvoir se faire démontage et remontage d'une batterie sur la MT-07 ensemble. Ça va être cool. Allez, déjà une vis. Une deuxième vis. Allez, on enlève la selle. Ah ouais, il y a du câble là-dedans. Allez, on va démonter tout ça. On va mettre ça de côté, mon frérot. Alors n'hésite pas, hein, si je fais de la merde, si je fais n'importe quoi, dis-moi le en commentaire, ça peut m'aider. Ah, on sait jamais. Allez, on va démonter déjà les deux trucs là. Ce sera bien. Voilà, alors ça va enlever la ferraille, c'est ce qui te retient ta selle. Voilà, on est au niveau de la batterie, frérot. On va enlever l'élastique qui tient ta batterie. Alors toi, c'est un petit crochet. Et après, on va pouvoir démonter les casses et changer la batterie. Allez, c'est parti. Voilà. Alors tu vois, c'est après, c'est quand il faut le remettre. Ah là, c'est la galère, mon pote. tu vas rigoler. Bon, alors on va démonter les casses. Alors le truc, c'est que on va démonter le moins et après le plus. Pourquoi? Je te dirai après. Alors surtout, ce qu'il faut pas que tu perdes, c'est ça, mon pote. Sinon, bah, tu peux plus visser la cause de ta batterie, quoi. Bon, on va se faire le plus. Bon, voilà, on a démonté le plus. On va essayer de le coincer. Voilà, on va essayer de récupérer le truc là. Voilà. On a les deux. Il n'y a plus qu'à enlever la batterie, frérot. Allez, c'est parti. Voilà, bon, bah, celle-là, on n'a plus qu'à la recharger, quoi. Bon, bah, j'espère que celle-là, je l'ai rechargée. J'espère qu'elle va faire le taf. Alors, après, déjà, tu vois, je l'ai enlevé, mais j'ai pas regardé le sens. Alors, c'est tout con, sur la MT-07, tu vois, tu le marques plus, moins pour le sens de ta batterie. On ne sait jamais, elle se la met à l'envers. Puis bon, sur la batterie, c'est marqué aussi plus, moins. Enfin, tu peux pas te tromper. Hein. Sinon, c'est que t'es vraiment con. Dis bonjour, Noupi. Elle comprend rien, elle est con. Allez, vas-y, c'est reparti, on la rembole. Hop. Voilà, la liée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fixer, mon pote. On va remettre l'élastique. Alors, ça, c'est vachement drôle. Oh putain, mais avec mes petits doigts. Ah, ça y est, putain. Mais c'est du premier coup, frérot. Putain, je deviens une star à force de la remonter, de la démonter, la machine. Bon, voilà. Bon, bah maintenant, on va remonter tout ça. Alors, je vais brancher le plus avant. Pourquoi? Parce que si je mets le moins,
et que je branche le plus après, et ben je peux risquer d'avoir des étincelles, des petits courts-circuits, et c'est pas bon. Alors c'est pour ça que je branche toujours le plus avant, que ça quand je mets la masse, bah j'ai pas les étincelles. Parce qu'on sait jamais hein, si t'as une fuite d'essence ou quoi. Un peu foutre le feu mon pote. Bon allez, on va essayer de remettre ça maintenant. Alors là, ça va être autre chose. Je te le dis clairement. Ah, j'aurais dû les mettre avant. Voilà, tu vois, je fais déjà de la merde. Je fais déjà de la merde. Ouais, bah avant de remettre la batterie, frérot, remets les petits bitonios parce que alors là, gros, t'arriveras plus à les mettre après. Voilà. Ah, je fais déjà de la merde. Oh putain. Ah, c'est bon. Ouais. Sera la prochaine fois. Bon, voilà. Mettre les deux hein. Moi c'est fait, voilà, on va garder les vis de côté. Bon, alors remets les petits bitonios avant de remettre la batterie, ça sera plus simple hein. On essaie de faire gaffe de pas les perdre. Bon, on va remettre l'élastique. Oh putain, ah, je vais y arriver là. Ah putain, mais je commence à être fort moi. Voilà. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à rebrancher frérot. Alors comme je t'ai dit, bon, on va dire brancher le plus hein. Chercher la petite vis mon pote. Voilà. Alors je vais brancher plus. Hop. Oh putain, c'est la galère quand même. Clac. Ta petite vis qui revient. Le tournevis. Alors est-ce que ça visse? Est-ce que je suis là? Ouais, j'ai l'air quoi. Bon, on va remettre les néons. Plus avec le plus hein. Hop. On va remettre les néons. Putain, je vois rien. Tu vois quelque chose toi? Ben, je vois rien. Ouais, je suis pas mal quoi. Voilà. Ensuite frérot, maintenant qu'on a remis le plus, ben, on va remettre le moins. La masse. Allez voilà. Et regarde, t'as pas d'étincelle mon pote. Allez, on va prendre la petite vis. Allez, c'est parti. Et toi, tu causes pas d'étincelle en mettant le plus en premier. Que si tu fais le contraire, tu mets la masse et seulement après tu branches le plus. Ah, tu verras, t'as une chance que ça te fasse des étincelles, mon pote. Oh, les néons. Bah, ça marche. Bon, bah, déjà que c'est que la batterie, elle marche. Je vais prendre les clés parce que je vais les éteindre. Ils vont bouffer la batterie qu'on veut. Allez, on branche tout. Hop. Ah si, ça marche. Oh, bah, c'est bon. Ça marche, mon frérot. Allez, on visse tout ça. Ouais, je pense que c'est bon. Là. C'est vissé, mon frérot. Voilà. Oh, ça marche. Ah, nickel, quoi. À demain. C'est une bonne petite balade jusqu'au boulot. Voilà, bon bah après bah tu remontes le cache hein, pour remettre ta salle. On va prendre les 4 vis. Voilà. Après le mets pas à l'envers non plus. Hein. Ça c'est pour ta salle, pour fixer ta salle. Hein. Hop. Voilà, tu vois comme ça un peu. C'est pas tout, c'est tout bête pour changer une batterie mon frérot. Oh voilà mon frérot. Il n'y aura plus qu'à mettre la selle et puis c'est bon. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu le rhume. Alors toi, t'as une encoche. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à remettre les deux grandes vis. Et on sera bien, on sera bien. Bon, pas facile avec un casque, je le dis. Voilà, bon, t'as plus qu'à remettre les... deux grandes vis. Hop. Bon bah voilà mon frérot, on a changé la batterie et on est parti pour aller au boulot cette semaine en bécane. On va ressortir, ça y est, le printemps arrive, c'est cool. Alors sur ce, bah, je vous dis à très vite sur les routes. Allez, go ride safe.